on va aller faire l'ascension du Mont-Royal et puis on va faire un petit pique-nique tout en haut du Mont-Royal. What is this? Ah, on va le mettre aux poubelles. Please. On a joué ce matin là au docteur. En tout cas, il y a plein de trucs de sortie. Flo est en train de préparer les trucs pour le pique-nique, mais il va falloir qu'on arrête dans une petite épicerie. Flo va arrêter à une épicerie portugaise pour acheter des trucs. On a dîné là, mais on va faire un petit pique-nique en fin d'après-midi, comme un genre de petit apéro. Ça paraît-tu? Il y a comme un petit bonbon dans la bouche. Je me suis pris une vitamine C. Ça goûte l'orange comme un petit bonbon que tu peux sucer. Hein? Mais toi, t'as pris tes vitamines déjà. T'as pas besoin de prendre ça. Ça, c'est un petit peu plus fort. Là, c'est très concentré. Là. C'est de la vitamine C. Toi, il y a déjà de la vitamine C dans tes vitamines que tu prends. Je vais aller faire le sac à couche. En fait, j'appelle ça le sac à couche. Mais il y a Léa, le plus de couche, là, mais c'est le nom qu'on donne, là. Maintenant, c'est plus un sac à couche parce qu'il y a plus de couche dedans, mais je l'appelle encore le sac à couche. C'est juste un sac à dos avec des vêtements de rechange si jamais Léa se salit, avec des bobettes, une paire de bas, son chapeau, ses lunettes. Des crayons à colorier, des autocollants, t'sais, des trucs pour qu'elle puisse s'amuser en fait. Si jamais elle s'ennuie, au moins j'ai quelque chose pour elle. Souvent aussi j'amène son iPad, mais là je pense que son iPad il n'y a plus de batterie dedans. Fait que j'amènerai pas son iPad. Mais je vais y amener un petit truc pour dessiner. Fait qu'il aimerait juste aller faire ça. Puis après ça on va être bon pour partir. On a une belle journée chaude, il fait 28 degrés. Gros soleil. Fait que c'est vraiment la journée idéale pour aller au Mont-Royal. Puis au Mont-Royal, on y va une fois par année. Je pense que l'année dernière, on y était allé au mois de juillet aussi. Peut-être même dans les mêmes dates, je dirais, l'année dernière. Fait que ça fait un an qu'on n'est pas allé, mais c'est toujours plaisant d'aller là-bas. Puis de profiter un petit peu de la nature, puis de se reposer. Voilà. Fait que on se retrouve tout à l'heure quand on va être en route. Tu peux prendre ça ou pas? Oui. Ok, donc on est rentré dans l'épicerie. C'est une épicerie quand même unique à Montréal. Là. Ça s'appelle la Vieille Europe. Il y a plein de produits européens. C'est vraiment bien. Des bons fromages, de la bonne charcuterie. Je vais en prendre 200 grammes pour le. Je vais l'amener faire un petit tour. Avec le gros fromage. Fromage. Sais-tu que Florian il vient souvent acheter des fromages quand on fait des raclettes l'hiver? Léa, elle a choisi les petits haribots, les petits nounours. C'est bon, honey? J'ai acheté ça pour la fête des pères à mon père. J'y avais fait livrer chez lui. En fait, c'est lui qui m'avait demandé ça. Ça vient de chez Saveur du Monde. Puis c'est très, très bien. Si jamais vous voyez ça à l'épicerie puis vous voulez l'acheter, c'est vraiment bien. Regarde, là, il arrive. Et voilà! C'est parti! Bienvenue chez Ségal. Ça, c'est mon épicerie préférée. Ça date de 1927. Ouais, il est marqué 1927. Mon épicerie préférée au centre-ville. Hein. Oh, oui. Y a aucune épicerie qui ressemble à ça au centre-ville. Vous allez voir. Je pensais que pendant un moment, tu fouillais dans les poubelles. Mais c'est parce qu'il faut le savoir. Comment tu fais pour savoir? Faut le savoir, ouais, c'est marqué ici. Ouais, mais il est marqué Oli, mais il y a personne qui va se dire, tiens, je vais ouvrir la vidange. Ouais, non, il n'y a pas. Eh ben, on aura tout vu. Celle-ci, on l'a genre pimenté. Mais tu les mets tous dans le même sac, oui? Ouais. Ok.
un gros mix. Oui, ben. C'est spécial, hein? Petite pause crème solaire. Hé, Florian, ça coule, ça coule. Tu peux pas la laisser à l'envers comme ça. Léa, on va t'en mettre aussi, OK? On va te mettre de la crème solaire sur les jambes puis les bras, OK? Puis le visage. L'ascension est commencée et on est déjà un petit peu fatigué. Ah, le pique-nique il va être bien mérité, rendu en haut. Pique-nique, oui! Est-ce qu'il faut prendre... Est-ce qu'il faut monter ça? Ouais. Ah bon, c'est vrai que je me souviens, on a déjà fait ça avec la poussette. On était fous. En fait, c'est... ouais, c'est ça. C'est comme un terrain de jeu, en fait, pour elle. Oups! Sauf que c'est ça que j'allais dire. La pierre, elle est glissante, d'accord. Ah, c'est sûr qu'elle est correcte, là. Vas-y doucement, tiens-toi après la barre. Allez, c'est haut, hein? C'est haut, hein? Une grande enjambée. Bravo! Y'a un caillou? Oups! Ouais, il est parti, là, je viens de le voir. D'accord. Ça va. Vas-y. Y'a combien de marches, Florian, tu sais? T'as qu'à les compter? Oh, ben, il est trop tard. À Québec, les marches comme ça, il y en a 400 quelques. Je me demande si c'est... Hein? Honnêtement, moi je suis épuisée. Filia, elle a réussi à monter à la vitesse de l'éclair. Ouh, il nous reste juste ça pour nous arriver. Florian, combien de marches? Oh, 3. Ok. Phew. On a trouvé une belle table, une table à l'ombre. Voyons de la misère à parler. Mais c'était pas là hein, l'année dernière, ces tables-là. Ils en ont rajouté, j'ai l'impression. T'as entendu? Ouais. Entendu, ouais. Je suis morte, là. En ce moment, je suis morte. Demandez-moi pas trop de questions. Parce que... Tu veux faire dodo? Vas-y, ma chouette. Regardez, j'ai sué. C'est mouillé! Eh ben ouais, c'est ça faire du sport. Tu as mis ta bouteille d'eau? Ah ouais. Ouais, t'as 2 secondes. Je vais aller la remplir après, je vais me rincer les mains. Je vois ta tête rouge, rouge sur ma main. Bien couché. Mais tu peux faire une séance, je t'ai même amené une couverte. Tiens, regarde, tu peux mettre ta tête dessus. Ils m'ont mis à le penser à tout. Ok. Ouh. Oh, il est 16h30, ça nous a pris 50 000 ans. Tu veux faire un petit dodo? Allez, hein? Vas-y, coucoune. Tu veux faire un petit dodo? Léa, ce matin, elle a compté jusqu'à 10 en anglais. Je l'ai filmé. Ah oui? Ouais. Mais devant la caméra, devant mon cellulaire, là. Regarde, mamie! Elle fait sa petite star, là. Oh là là! Oh là là, la petite star! Léa, 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 viens, viens, viens! Regarde, j'ai amené un cahier à colorier. Oh, on les entend. Viens voir, j'ai des crayons. C'est un truc de Noël. Viens, viens voir. Est-ce que tu veux commencer avec une genre de lef ou un truc? Ouais, de quoi de léger là pour commencer? Ah, parce ben que... lef c'est pas léger. Ok, ok. Tiens, tu veux de la fraîcheur? Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est prêt hein. Je sais pas lequel te donner. C'est lui avec le petit oiseau, tu sais, on parlait d'oiseau justement. Putain, ils sont glacés les bières. Ah ouais? Comme au bar. Ah yeah. Laisse-moi installer tout ça, je vais te faire une table de roi là. Ouais. Cool. Musique aussi. Mm-hmm. Voici notre petit festin français. Alors évidemment, on a du pain, tomates, concombres, olives, cornichons. On a un petit peu de pâté.
Juste un petit peu. Tu disais qu'on en avait plus, c'est ça? On en a un autre, mais... D'accord, on commence comme ça, mais oui, certainement. On a deux fromages. Alors, on a du gruyère et une tome de montagne. Ah, ça, c'est quoi? C'est un brie? C'est un camembert. Un camembert. Ça, c'est un gorgonzola. Gorgonzola. Prosciutto. De la dinde. Rosette. Puis ça, c'est de la dinde à la tomate séchée. Et puis c'est super sympathique, là, je vais vous faire un petit tour comme ça, il n'y a pas grand monde, c'est parfait, on aime ça comme ça, quand il n'y a pas trop de monde. Voilà, c'est un petit coin oublié un peu par la population. Vas-y là, vas-y. Vas-y. Non mais tu prends des trop gros morceaux là. Je vais jamais y arriver. Ah, j'ai oublié la bière. J'ai une petite Bavaria. C'est une bière légère. C'est, en fait, c'est parfait là, pour commencer. Bon, ben, bon appétit. Bon appétit. Cheval Godet. Triple. C'est brassé avec 3 céréales, 4 maltes, de la cassonade et 4 houblons. OK. Avec un houblonnage accru au Polaris. C'est le houblon symbole de la brasserie Belgio Sapiens. Et ça ressemble un peu à la Leff, mais je pense que ça goûte meilleur. C'est plus fort aussi. D'amertume que la Leff, plus d'alcool, mais bien fraîche, ça sent pas. Ça sent où ces bonbons? Ça rappelle la Belgique. Ouais, c'est ça, ça me rappelle. Extrêmement bonne. Alors là, c'est la Cheval Godet, la blanche. Recette originale. Elle est vraiment bonne, c'est pas mal plus mon genre. Ah ouais? Pourquoi? Chimique là, j'ai dit non, mais oh. Il n'y a pas question. J'ai fait faire pipi à Léa là-bas là. Ok. Dans la nature, moi aussi j'ai envie, mais moi je rentre pas dans une toilette chimique. Je préfère me faire pipi dessus. Ça fait un bobo? Où ça? Montre. Allez voir. Vas-y, montre. Regarde. Ah. Sur les genoux? Oui. Ça va? Oui. 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 T'es cute? Oui. Non? Oui. Oui. Le pique-nique est fini. On va entreprendre la descente. On a une belle vue là, sur tout Montréal par là-bas. Flo est en train de ramasser les derniers trucs. Puis Léa, elle a fait des petites découvertes. Ah, Léa, regarde, t'as vu des cocottes? C'est ça que tu me disais? On a vu des cocottes. Oui. Wow, elle est grosse la cocotte. C'est parti. 200, combien encore? 280, 275 marches? C'est toi que t'avais dit? 290 jusqu'à... Ah ouais, jusque là-bas. On voit le centre-ville. Toudou, ici. Bon, Léa, Léa est au fond là-bas. Il faudrait accélérer le pas. C'est quoi ça? Demande pas ça à moi. C'est pas une girafe, c'est pas un rhinocéros. À part ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je suis la personne la plus pourrie dans les animaux. Il est pas stressé en tout cas. Je sais pas ce qu'elle a cette plante, mais elle a l'air bonne. Ouais. Elle est cute, honey. Hello, licorne. Une licorne? Hello, la licorne. Léa, honey, c'est pas une licorne, ma chouette, là. Ouh. Oh my god, je vais avoir les cheveux tout aplatis, ouais. On vient d'en revenir. Il est 9h.
Léa elle est épuisée, on vient juste de se brosser les dents toutes les deux. Et puis même moi je vais aller me coucher là, je suis... j'ai chaud en fait, j'aurais peut-être prendre une petite douche. Oh c'est parce que je suis... Léa s'est presque endormie sur moi, dans le métro. Mais là ça va... ben là ça va, c'est-à-dire qu'elle s'est réveillée pour se brosser les dents et tout ça. Mais là je m'en vais la coucher maintenant. Allez, on va aller faire un dodo. Oui, mamie vient faire dodo aussi. J'arrive ma chouchoune, j'ai chaud là. Ouh, j'ai mis l'air climatisé un petit peu. Ah tiens, on me voit mieux là. Alors à jeudi, bye.